je débute une partie qui se passe bien. C'est-à-dire, attention, que je vous explique. Ah, mais retourne pas, tu me fais peur. J'ai moult balles, des soins, j'ai de la vie sur moi, 73% c'est pas mal. Je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin, et je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Nous sommes donc sur Daymar 1998. On est dans, il y a marqué là, le siège d'Hexacorp. Bah voilà, comment te dire? C'est pas parce que tu fabriques des zombies que t'es le mieux protégé. Apparemment, ils étaient pas super bien préparés. Ah? Ah? Attention, où est-ce qu'il est? Petit cerf? Petit cerf? Tu es où, petit cerf? Ah, il est là. Qu'est-ce que c'est? Micro qui a décidé de faire n'importe quoi. J'arrive pas à reconnaître ce truc. Bah, il a une... On dirait qu'il a une moumoute. Il a des yeux un peu bizarres. C'est quoi? Bon, on les regardera de plus près plus tard. Mais là, on dirait le cerf de Régis Fils-Aimé. Vous savez, le mec qui dirigeait Nintendo aux États-Unis il y a pas si longtemps. Bon, alors. Ouais, je trouve qu'il ressemble. C'est la même coupe. Un bureau d'accueil. Je m'en fous du bureau. Je veux ça. Voilà. Un petit coat tonique vert. VR. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Oula, alors toi. Bon, je sais pas si. Quand je traverse les zombies, je sais pas si ça veut dire qu'ils sont, ils sont définitivement morts ou pas. Toi, par contre, pas morte. Fuck. 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 Voilà. Ah, une porte par là. Je peux l'ouvrir cette porte? Je peux l'ouvrir. Une sorte de centre des opérations, une connerie comme ça. Une petite lumière automatique, c'est plutôt pas mal tout ça. Attends, je vais visiter un petit peu ce qui... Vous me faites peur! Mais attends, mais j'entends des zombies qui se relèvent et ils sont où? Mais quoi? C'est un enregistrement? Mais il est où? Mais je sais que vous êtes là, monsieur! C'est lui là-bas qui s'est relevé? Non? Allez! Je te vois! Le mur me dit où tu es! Bon, ok. Bon, on va rentrer là alors. On va laisser se calmer un peu. En plus, on est bien là, c'est bien illuminé. Je suis bien, c'est pas mal. Major, Major, do you read me? Can you hear me? Major! Damn it. Is this thing even working? Come on. Sandman, you there? Do you read me? Raven, you're alive. I just figured you'd be dead after what happened aboard the chopper. I should say the same for you. When I found Crane's body in the wreckage, I thought for sure. Crane's body? You found his remains? Yes, sir. Near the crash site. I gathered as many samples as I could to use against Leave when this gets back to command. Make damn sure those samples are still intact and await my arrival. Shouldn't take too long to wrap this up. And whatever you do, do not trust anyone I do not know. I'm afraid that Leave isn't the only backstabbing son of a bitch who work here. I'll see you at the dam. Understood. Hang on a second, Major. We can't just waltz through the front door. It's totally fucked. And even if we got through, those freaks are still parading around inside. I did find another chopper we could use. I think we should just rendezvous on the rooftop and get the hell out of here before it's too late. Roger, kid. We'll rendezvous at the copter pad then. I'm on my way. Don't be late. We're gonna get through
Ouais, je crains ne rien avoir compris au jeu, hein, en vrai. Ah, c'est tout? Après être parvenu à sortir du labyrinthe mortel de l'hôpital Sacred Heart, Samuel... Ah, on va reprendre Sam? Mais j'ai pas eu le temps de visiter le reste du bâtiment. Samuel reprend son inlassable poursuite de Sandman, aveuglé par la rage et la soif de vengeance. Mais dans les rues de Kinsight, il va vite découvrir que le véritable cauchemar est bien pire que tout ce qu'il a pu imaginer. Mais... En fait, celui que j'ai pris pour... que j'ai appelé Laveur, il s'appelle Sandman? Mais c'est qui Laveur alors? Ah, j'ai encore rien compris au jeu, moi. D'accord, donc retour avec Sam. I think we should just rendezvous on the rooftop and get the hell out of here before it's too late. Roger, kid. We'll rendezvous at the copter pad then. I'm on my way. Ah bah ça doit bien l'arranger, Sam. Il doit être content. Parce que Pécho... Ah, du coup, on va l'appeler Sandman maintenant. Pécho Sandman, c'est un petit peu son objectif, hein. Bon, ok. Alors, je me retrouve avec quoi? Moi, je m'en souviens plus de ce que j'avais avec lui. D'accord. Bon, bah j'étais pas trop mal en fait, avec Sam. C'est bizarre de revenir avec lui. Je m'étais bien habitué à Raven. Qu'est-ce que tu veux? Oh, il y a encore une DeLorean. Des fois que les gens, ils aient raté la première, tu sais. C'est quoi ça? Ah, une laverie. Une laverie automatique. Et de ce côté... Tiens, pas grand chose, mais une vue sur cette truelle. Qui est un peu étonnante. Et j'entends un zombie. Peut-être que ça veut dire que cette ruelle, elle me rappelle celle qu'on a passée avec... Ah bah c'est lui que j'entendais. Oups. Elle me rappelle celle qu'on a passée avec Raven. Du coup, peut-être que ça veut dire juste qu'il le talonne. Ouais. Mais oui, on connaît ça. On connaît. On est... En fait, si on tourne là à gauche, eh bah c'est la fontaine. La fontaine avant les égouts. La fontaine et son énigme de merde mal traduite. Voilà la vraie. Est-ce que je vais trouver un cerf dans une machine? Full Life 3, oui, très bien. Là, je peux passer. Et là, il y a quoi? Ah, c'est des toilettes. C'est des toilettes et il y a des munitions. Très bien. Je prends. Ça me va. En fait, à chaque chapitre, tu changes de personnage. Je suis pas tout à fait sûr. Oui, ça doit être un truc comme ça. On avait Liv dans le premier. Deuxième, c'était Sam. Troisième, Raven. Quatrième chapitre, Sam, effectivement. Ah, c'est le bureau de la direction. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste regarder le fichier qui était là. Des fois qu'il y a un petit indice, on sait jamais. Message du patron, mon trésor. J'ai attendu toute la nuit dans l'espoir que tu reviennes. Quand je t'ai perdu, dans la foule, dans tout ce chaos, j'ai supposé que tu te rendais à notre blanchisserie. Mais... Je ne peux plus attendre désormais. Je suis persuadé que Vince était comme d'habitude à la salle de jeu quand tout ça a commencé. Ce n'est pas loin. Je pense pouvoir y arriver.
Je suis certain qu'il a pu s'échapper. Il faut simplement que je le retrouve et que je l'amène en lieu sûr. Je te laisse ce mot au cas où tu viendrais ici entre-temps. J'espère que nous serons bientôt tous réunis, ma chérie, ton George. Ouais, c'est pas une lettre pour toi, ça... Sam. Du coup, la salle de jeu, on connaît ça, la salle de jeu? Une chance que... Allez, j'essaie, on sait jamais. Je me souviens pas trop, par contre. Kiba, si, si tu te souviens, toi. Hein. 144. 134. 134. 143. 344. Non, je l'ai fait déjà. Bon, 344, ouais, non, ouais. Bon, c'est pas celui-là. Je trouverai jamais où il va, ce casier, ça me perturbe. C'est quoi ça? Oh putain de merde. Ah, tu m'as fait peur. Putain! Ah, il essaye de me choper du bas. Ah, ça va, t'as du courage. Je suis où au niveau de mes balles? Allez, on va rester comme ça. Ah mais on revient en fait par la... Par la fameuse ruelle où on était avec Raven. C'est vraiment carrément la même quoi. Ah, vous avez entendu? Et en fait... Putain, c'est qui lui? D'où tu sors? Ah merde! Oh mais c'est interdit de faire ça, je l'ai déjà dit! En fait, quand on était là avec Raven, j'avais effectivement entendu un coup de feu. Alors c'est pas très logique, parce que normalement, j'aurais dû me croiser moi-même. J'aurais dû croiser Sam à ce moment-là. Vas-y, recherche. Mais c'était donc Sam qu'on avait entendu. Ah. Et donc, ça c'est quoi? Il n'y a rien. Me dites pas qu'on va repasser par les égouts, hein. C'est bon, j'ai donné quoi. Ah là j'ai eu peur. Ah j'avoue les zombies qui viennent dans ton dos là comme ça en scred, c'est chiant. Mais j'entends des coups de feu, mais c'est moi ou c'est un bug du jeu? Parce que des fois le jeu il fait ça. C'est-à-dire... Ah, une compote. C'est-à-dire, des fois, j'entends mes coups de feu en retard. Alors, Snake Plissken, ouais, je l'avais vu, celui-là. Je peux rentrer, là, ou pas? Non, je peux pas rentrer. Ça se trouve, en fait, ça va répondre à beaucoup de questions que je me posais avec Raven. Quand je suis passé là, à un moment, on a vu le mec qui avait pénétré dans l'immeuble, là. Et c'est tout. C'est-à-dire, on savait pas qui c'était. Ce gars avait eu droit à une petite cutscene, quand même. Donc tu te dis, ouais, bon, c'est étonnant. Et bah, c'est peut-être parce que il a une importance à avoir avec Sam. Oh, hein. Moi, je me méfie, c'est là qu'il y avait le zombie, non? C'est pas là? Du coup, je sais pas trop où aller. Je vais vers la fontaine ou pas? Parce que la fontaine, elle est là, hein. Que déjà je peux interagir avec les plaques. Merci. Ça fait plaisir. Non, je peux pas interagir avec les plaques. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à ramasser. Oui, 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 j'ai eu peur du trophée. Je crois que c'est la première fois que ça arrive en vrai. Je m'attendais pas à en avoir un ici. Et... Alors, en fait, normalement il est rentré. Ah ouais, donc. Raven est déjà passé dans les égouts. C'est pas très logique. Moi j'ai mis une heure à faire l'énigme. Hein? Et moi je peux pas y retourner, d'accord. Bon bah ça me rassure, ça veut dire que je vais pas aller dans les égouts. Et franchement c'est, ouais c'est très bien. Ça me va. Mais alors Sam, espèce de touriste, si tu veux choper Raven, pourquoi tu fais tout un détour?
Mais il y a un truc qui va pas. À la fin du chapitre, quand on est arrivé chez Hexacorp avec Raven, effectivement, il est entré en communication avec Sandman. C'est là qu'il nous a dit, il nous a parlé de je sais pas quoi, de l'endroit où il se trouvait. Ah, la pharmacie. Mais c'est pas encore passé ça dans l'univers de Sam. Je sais pas, c'était moi qui ai du mal comprendre en fait. C'est peut-être pas branlé comme ça, j'en sais rien. T'es mort toi ou pas? Parce que si t'es pas mort. Mon inventaire est plein. Ah, ça aussi, ça va commencer à faire chier. Non, ça va, c'est un bruit normal. Un coagulant. Bah, je vais me prendre. Je vais me prendre à manger, tiens. Oula, ils ont bidouillé ça comment? Je sais pas, mais en fait, ça me semble bizarre. Mais c'est peut-être moi qui ai pas compris, mais. Je regarderai, mais ça me. Je crois bien que Sam. Ou alors c'est extrêmement mal fait. C'est-à-dire que Sam, au tout début de ce chapitre, il écoutait une conversation passée entre Raven et Sandman, alors que toi, à la fin de ton chapitre avec Raven, il y en a une autre. Mais il me semble pas que j'avais eu une conversation avec Sandman, parce que. Je crois que Raven, il pensait qu'il était mort, justement. Et les gens morts, bah, ils parlent pas. Oui, je suis désolé de vous choquer, mais... Tiens, t'étais pas fermé, toi, quand je suis passé là avec Raven? C'est une salle de sauvegarde, enculé, tu vas quand même pas m'attaquer ici. Tiens, vas-y, attends. Voilà. Voilà, comme ça. Je suis bien. Alors, munitions, machin, combiné. Ok. Et donc, effectivement, attends, est-ce que cette arme, le revolver, je peux le recharger? Normalement, t'as pas besoin de chargeur pour ça, mais j'ai des. Pourtant, j'ai les. Je crois avoir les bonnes munitions, hein. Ça doit être ces munitions qui sont là. Les KSPD. J'ai qu'une bonne creuse. Ah non, 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 non. Ça, c'est que des munitions pour fusil, en fait. D'accord, donc j'ai rien dit, en fait. Ok. Bon, bah, cassos. Et justement, on revient... Die, Dan Die. Ça, c'est aussi c'est un easter egg, mais alors là, je vois pas à quoi. Hein. Die, Dan Die. Oui, donc je disais, et là, on retourne justement auprès de ce fameux immeuble. Snake Plissken escaped from here. Merci. Et là, on retourne, oui, justement, vers ce fameux immeuble où j'avais vu le mec rentrer. Alors, est-ce que, comme Resident Evil 2, ils ont fait des... Ils ont fait... Tellement de tags qui veulent dire des choses ici. Ils ont fait... Ils se sont merdés dans leur chronologie, c'est-à-dire... Resident Evil 2, c'est pas très logique le scénario de Claire et de Léon, alors qu'ils sont censés être se dérouler au même moment. T'as des actions qui sont pas logiques, y'a des choses que tu vas faire deux fois, etc. Ah. Donc ils ont été capables de voler ça aussi. Genre,
Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Robocop. Ah, comme ça, comme quoi il fait pas que des trucs d'horreur, hein. Clé de l'entrepôt. Putain, tu m'as tellement fait peur. Je sais pas d'où vous sortez. Mais il y a des bugs de son. Blown away. Quoi? Mais quoi? Mais c'est qui ces gars? Pourquoi j'ai eu un trophée en les tuant eux? Putain, je sais pas. C'est quoi ça? Des gouttes psychiques? Ouais. J'ai eu les clés de l'entrepôt, mais... J'entends un zombie qui s'énerve. En fait, là, de l'autre côté de cette, ces fenêtres, je crois qu'on passait justement avec Raven à un moment et qu'effectivement on voyait des bureaux qui ressemblaient à ça. Je me souviens vaguement de ce truc. Mais comment... Elle est où la porte de l'entrepôt? J'ai pas souvenir d'avoir croisé une porte qui était fermée, moi. Oh là là, ça va me saouler. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien cela. En fait, c'est pas la fenêtre que j'ai vue, c'est qu'on passait là, mais que c'était bien éclairé avec Raven et qu'il n'y avait pas ce trou. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui a fait un trou et on sait pas ce que c'est. Est-ce que le jeu va y répondre? Je ne sais pas. Mais je vais là? Mais je vais où? Clé des entrepôts. Mais quel entrepôt? Là? Ah, attends, là! Mais putain, comment j'étais censé le savoir? C'est quoi cette logique? Oh là là, ça par contre, je suis pas très fan. Je veux dire, les entrepôts, c'est grand, tout ça. On peut se perdre. Et il peut y avoir des zombies planqués dans des coins. Putain! Ouais, ils sont tous relevés là. Ouais, bah. Non. C'est mort, y'a pas moyen. Quoi? Ah, mais c'est un gros! Ah, il est pas mort lui? Voilà, et comme ça je me suis encore fait toucher gratis. Mais c'est pas grave, allez on va prendre une compote. Allez, pom pom pop. Pom pot. Hop. Attends, non, je vais prendre ça. Comme ça, ça va me dégager une place de l'inventaire. Voilà, optimisons, optimisons un petit peu. Ça fait du bien d'optimiser. Alors... Ah tiens, fichier crypté, ça fait un petit moment que j'avais pas trouvé ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il est mort avec sa meuf. Enfin, mort en apparence. Et là, il y a un élévateur. Pas sûr que ça fonctionne, je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Le passage est bloqué. Bon. En fait, ça donne peut-être vers l'endroit où je me trouvais juste avant, là où il y avait eu l'explosion. Ça serait logique qu'en montant l'échelle, on arrive ici, surtout qu'on a eu les clés à cet endroit. Tiens, il y a des logos Hexacor ici.
pourquoi à chaque fois je vois une lumière rouge, je me dis ah, il est encore en plein délire. Mais en fait non, des fois c'est juste l'environnement, tu vois. On a du vent. Ah, peut-être qu'il y a un petit peu de délire là-dedans. Mais du coup, il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est que j'ai eu le trophée genre syndrome d'Eymar ou je ne sais pas quoi. Merci pour votre achat. Oh, le code 222. Je vais pas retourner au casier quand même. Il est super loin le casier. Pff, ouais, laisse tomber. Hein. Ah mais attends, mais on revient à la salle de jeu. C'est la salle d'arcade. Je suis arrivé ici avec Raven en me disant bah. Oui, et alors? Pourquoi? Et cette porte, je pouvais pas l'ouvrir avec Raven. 2-2-2, ah non, mais laisse tomber. Oui, donc j'étais en train de me dire, le syndrome d'Eymar, en fait, je me demande si c'est pas lié à ces hallucinations qu'a Sam. Parce que c'est en tirant sur un... une de ses alus que j'ai le trophée. Ah, mais les bugs de son au niveau des tirs. T'es bien mort, toi? Waouh. C'est quoi, ce gars? C'est quoi, ce short que t'avais, toi? Tu l'as emprunté à ta petite sœur ou quoi? Qu'est-ce que... Allez, c'est pas grave. Hop. Ok. Ah, le fameux flipper Nexa. Et là, il y avait l'armurerie. Et lui, il bougeait pas, en tout cas, avec Raven. Mais là... I don't believe what I see. I grew up in this neighborhood. Là, la fameuse petite fille de Men in Black. Et en fait, l'explosion, elle est là-haut, normalement. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me menait, en fait, à là où je viens d'aller. Donc j'ai fait un méga détour. C'est ça. Il y a une porte. Ah bah oui, c'est la porte qui est en bas. C'est la porte qui est en bas et qui donc existe aussi avec Sam, c'est logique. Il n'y a pas de balles à trouver, de choses comme ça. C'est quoi ce gars? Et là, il y avait une porte. Be afraid. Be very afraid. Elle est où ta porte? Ah, ça y est. Je sais pas si c'est intéressant de venir ici avec... Oui, bah oui. Là, ça s'ouvre pas. Ok, toutes ces planques, à chaque fois, il y a des portes que je ne peux pas ouvrir, qui ne servent à rien, qui sont là que pour la déco. Le métacortex Asio, mais il y a tellement de références que je dois même pas connaître. En même temps, j'ai pas envie, c'est-à-dire on est tellement gavé dans ce jeu que ça va, quoi. Mais attends, l'armurerie, je peux y retourner, moi, pour... ça peut être intéressant, c'est une armurerie, quoi. Peut-être que Raven est passé à côté d'un truc. Genre, la meilleure arme du jeu, elle est là. Là, l'armurerie, elle est là. Ah, en tout cas, il y a du zombie. Voilà. Vous n'avez absolument pas vu tous ces tirs à manquer, n'est-ce pas? C'est
si vous les avez vus, et ben je dirais que vous avez menti. L'épinéprine. Ouais, bah oui, mais bien sûr qu'il faut revenir ici, il y a plein... Mais c'est masse gavée de trucs. Ton inventaire est plein, c'est tellement gavé que moi, je suis gavé, littéralement. Ah, mais c'est chiant que je puisse pas recharger... Putain, mais je devrais pouvoir recharger depuis l'inventaire, en vrai. Drop, combiné, use... Putain, je peux pas combiner ça. Tiens, bah voilà. Fuck. Je sais pas, je me suis méfié parce que lui, je m'attendais à ce que... Il bouge déjà la première fois, mais en fait, non, il est bien pendu. Hein. Tiens, vous avez... Voilà, le Red Room. Vous avez dit que j'en avais vu un de Red Room dans le jeu. Bah, il est là. Je veux dire, les mecs se sentent tellement obligés de foutre des références, des clins d'œil et tout ça, qu'ils les mettent en double. Voilà. Help Shark. Et ça, c'est une référence aux Dents de la Mer? Je... Couché. Ah tiens, là c'est ouvert. Ah non, mais c'est... Attends. Est-ce que c'était déjà ouvert avec... Avec Ramen? Je sais plus exactement d'où je sortais. Si, si, ouais, c'était là. Je me souviens, j'avais trouvé des balles. En fait, je fais le même chemin Craven à l'envers. C'est de la réutilisation de décor. Je suis contre, c'est scandaleux. OMG. Mais c'est pas les zombies qui ont fait ça. Mais c'est pas les zombies qui ont fait une deep throat à ce pauvre gars avec un parapluie. Et on est visiblement vraiment encore loin de la fin, hein. Chapitre 4, il y en a 5. Je m'attendais vraiment que ça se termine avec Craven la dernière fois. J'aurais trouvé la durée de vie, qui est là déjà d'une dizaine d'heures, même si moi je traîne beaucoup, je l'aurais trouvé acceptable. Ouais, ça je reconnais aussi. Il n'y avait pas un feu par là à un moment? Ah, le fameux bus. Le fameux bus, la caméra de merde. Ouais, je reconnais. Hein. Je suis passé par là, il n'y a pas de problème. Je reconnais cette caméra pourrie. Le mec qui se fait spalm. Tiens, c'est pas le même zombie que... Il a changé de zombie. C'était un mec la première fois. C'est genre la fille, elle est morte en se disant ah, il y a tellement de zombies. Et hop. Hop, instant. Je retourne voir là-haut, on sait jamais. Hein. Oh là. Ok. Quatre balles.
Et même avec la musique, OMG, qu'est-ce qui est en train de se passer? La musique, même elle est perdue, elle comprend pas, elle essaye de suivre, mais elle est là. C'est la musique, elle te regarde et elle fait... tu vois? Fameux bar. Ah! Le fameux zombie exhibitionniste qui montre sa bite. Ok. Et le bar. Ah, le bar avec madame. Bonjour madame. Madame qui n'existe pas. Impossible de recharger un chargeur vide, effectivement. Belle remarque, Sam, belle remarque. Putain ! Mais non ! Mais... Oh là là, puis en plus, il y en a un qui... Il était fake, ce zombie. Putain, mais Sam, fais-toi interner, j'en sais rien, en vrai, c'est chiant. Pas de morve, bordel. Oui, les zombies sont morveux dans ce jeu. Alors, j'ai plus de... Ouais, là, j'ai plus de soins. 79%, ça va en même temps. Voilà, et on va faire ce que je fais bien trop dans ce putain de jeu. Les claques. Ouais, là, mais là, je trouve que le chapitre, il est... Il commence mal, disons. Voilà, on m'oblige, comme ça, à revenir sur des environnements que je connais déjà beaucoup, que j'ai exploré avec Raven. Il y a des bugs partout. Ça sert à quoi? Ah, ouais, je me souviens, là, il y avait un feu. D'accord. Et du coup, maintenant, le feu est éteint. Et si j'essaye de retourner... Là, il y a quoi? Si j'essaye de retourner au bar... Oh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici, putain? Je sais pas, il s'est suicidé, j'en sais rien du tout. Ok, ça c'est la zone... Ah, ok, bon. Allez, c'est un peu drôle. Il a glissé et... ça laisse une marque. Allez. Encore une fois, je sais pas trop où aller. C'est-à-dire là, effectivement, il y avait un feu qui m'empêchait de venir dans cette direction. Là... Ah, mais c'est le fameux restaurant japonais... Donc on a vu les pubs là avec Raven. J'ai glissé, chef. Bon, et là il y a quoi? Ah, ça c'est bien. Mon inventaire est plein. Casse-couille ça par contre. Allez, on va faire des trucs comme ça. Je fais des expérimentations, voilà. Je teste des choses. Je fais des mélanges. Ok, et là c'est fermé du coup j'imagine, non? Ah, c'est ouvert.
Eh ben, je sais pas où aller. On va se diriger vers le fameux restaurant, je sais pas trop. En fait, ce qui m'indique que la bonne direction, ce serait celle d'où je viens, c'est cette fameuse cinématique qu'on a vue avec Raven. Mais bon, ça se trouve, c'est pas très logique ce que je suis en train de penser. Alors là, il y a des escaliers dans un immeuble résidentiel. Great Freedom, Inside Restriction. Ils n'avaient pas calé un zombie dans les escaliers quand même. C'est pas des trous de balles à... Non, ça va. Ah! D'accord, ok, cela répond à ma question. Je dois trouver la clé. La clé, trouve la clé. D'accord. Et la clé? Eh ben, c'est le fameux gars que j'ai vu avec Raven qui la détient. J'avais pas vu, mais il est chinois. Et pourtant, cette partie-là, avec Raven, je la trouvais plutôt agréable, hein. C'était la partie où on était en ville, où on découvrait des lieux, le bar et tout ça, je trouvais super cool. Mais là, par contre, je trouve ça un peu malhonnête de m'obliger à faire ça, quoi. À revenir sur des lieux que je connais déjà. Quoi, cette chose? Oh non! Et avec des connards que j'aime pas, des zombies de merde là. Bim! Oh putain! Voilà. Je cherchais comment faire diminuer mon stock de munitions. Bah c'est bon, j'ai trouvé. Il est rentré avec moi du coup. Allez, je te paye un verre. Allez. Bon. Possible que j'ai perdu suffisamment de vie pour mériter une petite compote. Ah. Eux, ils me font peur. Pourtant, ils sont tout lents. Font juste cracher des glaires dégueulasses. Voilà, donc le fameux... Voilà, c'est là. Ah, mais maintenant c'est ouvert. Ouais, je trouvais ça bizarre qu'en passant avec Raven, justement, je me disais, mais... On dirait que c'est modélisé à l'intérieur, d'où je peux pas venir. Et je me suis même dit, putain... Ouah, c'est pas des feignants, en fait, les mecs qui ont fait ce jeu. Ils ont modélisé des endroits qui sont pas du tout... qui sont secondaires, qui sont pas du tout obligatoires. Le souci du détail, tout ça... Non, non. Ouais, je retourne le voir par là, on sait jamais. Il y a peut-être deux choses intéressantes. Sur là, il y avait du feu avant, je crois. C'est quoi ça? Oh, une valve. J'ai trop bien fait de revenir là. Par contre, j'ai entendu un zombie, je sais pas où il est, ça m'inquiète. Les zombies, ils aiment bien venir dans mon dos là. Ah non! C'est un. C'est un deer, c'est un cerf. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. Il a une petite hache. Si. Je crois que c'est Shining. Ah, généralement, quand t'as une hache... C'est quoi ce message qu'on peut pas lire parce que la lampe torche est trop forte. I know what you did... Last Summer. Ah, c'est Souviens-toi l'été dernier, c'est ça? C'est une référence à ça? Oui. Probablement. J'en sais rien. J'en fous. Un Capri-Sun. Oui, ça peut être un Capri-Sun. Mais moi, j'aime bien dire les pompotes. Mais c'est plutôt un Capri-Sun parce qu'il dit que c'est un jus de fruits. Alors, est-ce qu'on va retrouver ce fameux gars qui est rentré ici? Ça, c'était moi avec mes collègues de chasse. On était à 18 sur un fond. On l'a explosé.
C'est quoi d'ailleurs cet endroit? C'est un hôtel? Madame Cheryl, ceci est un message important après avoir nettoyé la chambre de Monsieur Sakamura, qui est d'ordinaire toujours occupé. J'ai trouvé un trousseau de clés sous un meuble. Il a dû les faire tomber hier soir en revenant du restaurant. Je me demande pourquoi une personnalité si influente dans le monde de la restauration préfère dormir à l'hôtel plutôt que chez lui. Peut-être parce qu'il aime l'idée qu'une femme fasse son ménage. J'espère que vous aurez la gentillesse d'informer Monsieur Sakamura que j'ai trouvé ses clés. Il sait se montrer très généreux avec le personnel. Dites-moi si je peux vous aider d'une quelconque manière pendant le festival des pommes demain, Cathy. Festival des pommes, ça donne envie. Non mais les petits festival, oui c'est ça, ce qu'on dit un festival, hein. Des festivals. Petits festivals locaux comme ça, c'est bien. Hein. Mon inventaire est tout rouge. Hop. N'empêche, à cause de cette connerie de recharge, ils réussissent à gratter tellement de temps sur ton temps passé sur le jeu, hein. Attention, un angle. N'oublions pas que les angles ne sont pas mes amis dans ce jeu. En vrai, on dirait plus un caprice à nous. Faites débat. Oui, mais oui, c'est... Non, mais c'est un caprice, hein, on est d'accord. C'est un jus de fruits. Alors, bonjour madame. Alors madame porte un short. Qu'est-ce que c'est? Ah, il s'est chié tout ça. La petite télé. Putain, il est sordide leur hôtel. Je pensais qu'une cinématique allait se lancer, mon inventaire est plein. Ouais, mais il y a un moment où... Qu'est-ce que je fais quoi là maintenant? 30, 30, 13... Ah ça y est, là je peux rien faire. Vas-y, mange. Allez, mange, c'est pas grave. Je préfère avoir des balles que de la vie, je crois, en fait. C'est quoi ça? Mon inventaire est plein. C'est peut-être les clés. C'est peut-être les clés dont j'ai besoin. Attends, je vais... Ah mais merde! C'est sérieux? Je peux pas aller plus haut? Alors c'est probablement les clés dont j'ai besoin. Mais ça veut dire que le mec que j'ai vu dans la cinématique avec Raven, il est mort? 44 maintenant. Attends, si je peux recharger mon magnum. Oui. Allez, mec. Voilà. Et ben voilà.
C'est marrant, c'est les deux mêmes jumelles en... En survêt Adidas, là. Que j'avais tué quand j'étais là avec Raven et qui m'avait agressé à l'extérieur. Justement, à l'extérieur d'ici. Ok. Vas-y, recharge. Faudra gagner un peu de place. T'as fait un cœur sur les murs. Regardez. C'est pour vous parce que je vous aime. Bon. Et même sur la lampe, regarde, j'ai pimpé la lampe. Mais pourquoi j'ai trouvé une valve ? T'es toujours mort, toi, hein ? Ouais. Elle me servir à quoi, cette valve ? Me prendre la place dans mon inventaire, ça fait chier. Ah tiens, voilà. Prends ton putain de flingue. Mais putain, mais casse... Ils sont casse-couilles ces zombies, ils sont super solides. Tiens. Alors là, elle se relève plus, hein. Allez, mais recharge! Je veux pas recharger avec un chargeur vide. Tu voulais pas recharger? Ça fait 15 ans là que j'essayais. Attends, mais prends pas de risque. On va se mettre comme ça, voilà. Je vais surveiller, voilà, comme ça. Dès que ça arrive, hop. Je sais pas, le zombie s'est retrouvé coincé en bas, ou alors il essaye de me faire un de me tendre un piège? Il s'y fait. Bonjour? Zombie ? Zombie ? Coucou ! Ah, il s'est perdu. Il est dehors ? Ouais, regarde, il est là. Mais c'était complètement perdu, lui. C'est qui? C'est pas moi qui l'ai tué, celui-là. Bon, je sais pas. Je me pose trop de questions pour un jeu comme ça. Attends, la valve, elle s'utilise quelque part, par là? Mais non, mais c'est qu'elle est casse-couille, cette putain de valve. Elle est dans mon inventaire, là. J'ai pas envie de l'avoir. Est-ce que je peux pas... Sinon, tu peux pas la remettre ici. Parce que je l'ai trouvé là. C'est pour ça que... Bon, moi, je sais pas. Bon, retour. Quoi? C'est où je vais? Le sac à Moura, c'est ça? Donc on va au restaurant. C'est... Allez, ce soir je vous emmène au restaurant. Maintenant que j'ai fait un gros détour pour obtenir les clés, évidemment, sur mon chemin va y avoir de nouveaux zombies. Des trucs géniaux. D'ailleurs, c'était quoi cette explosion qu'il y avait eu tout à l'heure ici, là? The Craven Family. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un... Une référence à la famille Adams. Ok. Non, bah en fait, non. Hein. J'ai été médisant. Aucun nouveau zombie sur ma route. Un jeu qui se révèle plein de surprises. Alors. Moi aussi je t'aime, Manu. Ah, c'est gentil, on me donne de l'amour. Pour ça, j'ai juste eu à faire un cœur avec du sang sur un mur et vous, vous m'aimez. Gars tout à fait normal dans ses propos. Alors.
Tu vois ça? Un zombie en feu. He's on fire. Ouais, 4 balles, ok. Non. J'ai plutôt envie de prendre le fusil à pompe ici. Je sais pas trop, j'aime pas trop l'idée comme ça que... qu'il y ait des petites zones où je puisse pas voir les zombies arriver. Ah non, par contre, non, mais pas ça, ça c'est des putains de balles de fusil à pompe, mec. Tu peux pas les... Tu peux pas les gaspiller juste parce que t'es en train de délirer total, quoi. Bon bah, c'est un restaurant japonais, effectivement. Voilà. Toujours les mêmes habitués qui s'endorment sur le comptoir. C'est quoi ça? Je sais pas ce que vient faire ici Sam en réalité. Hein. Y a rien qui lui indique qu'en passant par le restaurant japonais. Pourrait arriver dans un endroit intéressant pour lui. Ah, c'est là que j'utilise la valve. Ah, d'accord, parce que sinon je peux pas passer. C'est verrouillé. Si seulement j'avais la clé. Ah, Sam. Si seulement nous avions la clé. Ouais, vas-y. Ah, d'accord, ok. Il faut respecter les dessins qui sont là. Sauf que c'est rigolo, mais voilà, quand t'es comme ça, tu vois pas exactement comment c'est. Voilà, ça a l'air d'être comme ça. Alors, je crois que ça n'existait pas dans la vraie vie. Ce genre de choses. À chaque fois qu'il y a un mini freeze là comme ça, j'ai tellement peur que... le jeu freeze complètement. Quoi ça? De la barre... Oh oui, ça c'est bien, vas-y, mange-la tout de suite. Oh, ah non, bah non, 100%, bah non, mange-la pas. Bon, ça se fait pas trop en même temps, hein. Tu manges pas une barre énergétique quand tu vas au restaurant, tu vois. Tu apportes pas ta propre bouffe au restaurant, personne fait ça. Ah mais là, ils contrôlent même les restaurants, genre... Ah d'accord, c'est Exacor, ils contrôlaient les restaurants. Ils ont mis du zombie. Mon inventaire est plein. Ils ont mis donc zombies dans ces sushis. Alors, est-ce que je peux combiner ça? Oui. Je peux combiner ça. Est-ce que je peux combiner ça? Ok, j'ai un tonic machin. Ok, est-ce que je peux le combiner? Non. Ouais, si, je peux le combiner en fait. Bah, allez, vas-y. Ok. Et j'ai la clé du local d'entretien. On va certainement trouver des choses très intéressantes par là. Ouais, c'est un studio d'enregistrement, quoi. Enfin, c'est peut-être la sécurité, tout simplement. Ce qui me semblerait un peu abusé pour un restaurant comme ça, mais bon, pourquoi pas. Waouh, mais c'est grand le local d'entretien, en fait. C'est pas vraiment un local d'entretien. Eh mais attends. Mais c'est quoi cette gruge? Timothy's The Flight Ancient Enemy. Ouais. C'est quoi cette gruge? On est à l'immeuble où Raven a commencé son aventure, putain! Raven il a commencé là, le chapitre 3! Je suis censé aller où? Pourquoi je suis revenu là? C'est quoi l'idée? Je reviens dans l'appartement des développeurs du jeu? Pourquoi faire? Ah, putain, je dois les assassiner pour les empêcher de faire le jeu en fait. Ah
Voilà, on est revenu, on est de retour. C'est là, c'est l'appartement des développeurs du jeu. Voilà, il est là, regarde. C'est l'idée que je me fais des développeurs du jeu, hein. Je les imagine comme ça en train de développer. À poil, comme ça, sur leur PC. Et puis là, au chapitre 4, tiens, c'est quoi, le joueur, il va revenir dans des environnements qu'il connaît déjà. Ouais. Mais y a rien ici en fait, y a rien de nouveau, non? Non mais j'ai passé déjà du temps à tout explorer ici pour essayer de connaître les références. Tiens, cette porte est fermée. Là, il y a lui qui est dans sa baignoire. Ah là, et Raven, il était là. Raven, il était là. Exactement là. Ah, bah Raven, t'as laissé des balles? Bah Raven, franchement. Pour un mec super entraîné comme toi, Raven, il a fait... Voilà, Raven, il a fait ça. Il a eu beaucoup de choses. De chance, pardon. Alors là, il y a quoi? Il y a rien ici. Ah non, ça sert à rien de revenir là, en fait. Alors, il y a un moment... Je pense pas que tu devais monter. Non, je pense pas non plus, mais je m'en doutais. En fait, depuis le début, Voilà. Ça, c'est interdit, encore une fois. Ah, t'as fait... Bah alors, madame, t'as déchargé ma batterie? Elle sort d'où, elle? C'était ta meuf? Vous avez beaucoup de choses en commun. J'ai eu peur, sa mère, bordel. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas où elle sortait, elle n'était pas dans l'appart, hein. Je sais pas, planqué sous une table, j'en sais rien. Je disais quoi? Oui, il y a un moment, sortons d'ici, une allée. Il y a une allée. Recharge, voilà. Qui m'avait intrigué la première fois. Qui donne vers un parc, en fait. Et ça m'avait intrigué, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On n'y va pas, c'est curieux. Alors que, je sais pas, ça me semblait... pourtant intéressant. Et en fait, je pense que si, on va y aller. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, bah ouais, tout le feu... il s'était déclaré ici avec Raven, bah maintenant, il est éteint. Le niveau est complètement différent. C'est incroyable. Alors, là, putain, je trouve tellement de balles. Ouais, c'était ouais, juste en face, je crois. Hein. En même temps, je veux bien trouver des balles, vu que je m'en sers sur des illusions. Vous croyez que... Non, je sais pas. Mais... Oh putain, non, j'avais pas remarqué ça la première fois. J'avais pas remarqué ça la dernière fois. Je vous montre ça après. Mais tu m'as touché? Mais c'est pas vrai! Tiens, espèce de moche! J'en suis où de ma vie, là? 46%? Waouh! Ça commence à piquer un peu. Vas-y, prends ce truc. Non, celui-là. Donc oui, ce que j'avais pas remarqué la première fois, c'est que la compagnie de construction... s'appelle Burton. Comme Barry Burton. Ils ont encore trouvé le moyen de drop name un nom d'un personnage de Resident Evil 1. Il est juste là, Burton's. Ah, ce bon vieux Barry. Voilà, et effectivement, c'est cet endroit qui me semblait bizarre, à gauche, là, l'ouverture. Et c'est là que ça se passe. Pourquoi le... En fait, ce qui m'inquiète, c'est que la musique se soit mise tout d'un coup à... se mis en branle, là, je sais pas ce qui se passe.
Je peux y aller là du coup? C'est bloqué. Ah, c'est bloqué. Ah, des balles spéciales. C'est bien les balles spéciales. Voilà. En fait, voilà, j'avais juste ça. À travers cette grille, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On dirait que je peux y aller. Pourtant, il n'y avait rien qui me l'indiquait. Mais ça m'avait intrigué. Les musiques sont peut-être aléatoires. Et viennent toutes les 5 minutes ou pas? On est proche du bug concernant les musiques. Voilà, chargement, très bien. Mais t'es où? Quoi? Mais comment c'est possible que le zombie... Il m'agresse depuis une porte qui est pas ouvrable? Puisque cette porte, c'est un temps de chargement. Elle s'ouvre pas, cette porte. Comment c'est possible? Oh tiens, il y a un super zombie là-bas. Fuck. Joli 360. Noscope. Ok. Les mystères de Daymar. Aujourd'hui, dans les mystères de Daymar, les bugs. Non, il y en a trop. Alors, ouais. Y'a rien ici. Ok. Ah, c'est ça, hein, c'est un parc. Retour... retour dans ton élément... Dans ton élément, mon cher... mon cher Sam. La forêt, les bouées et tout ça, c'est pour toi, non? Et là, on est où? Mais c'est le parking du... Non? Attends, non. C'est pas le parking de l'hôpital? Non, non, c'est pas le parking de l'hôpital, il y aurait pas de logique. En fait, c'est tous les corps qui sont par terre, là, qui m'ont indiqué ça, mais non. Fuck. Oups, je crois qu'il est pas content. Ouais. Alors, il y a encore des balles. Tiens, voilà, Bonnie Tyler. Je tourne en rond. Mais comme Sam tourne en rond. Sam revient sur... il revient pas sur ses pas, hein, il revient sur nos pas. C'est nous qui avons vu tout ça. Ok, mais là, ça peut être potentiellement intéressant par contre. Ouais, ça par contre c'est de la merde. Mais voilà, là, oui, tout ce qui est zone forêt, tout ça. J'espère que ce jeu a prévu quand même un manoir dans ces niveaux, mec. Quoi ? Genre. Rentrer et fermer leur bus. Je sais pas, il va peut-être se rouvrir au bout d'un moment. Oula, j'avais pas vu. J'ai mon fan club qui est là.
Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ascent to the Stars, Skyland Summit. Ah merci la musique. Il est trop dégoûté, lui il a reculé genre ah putain de musique. D'accord, je sais pas, on avait déjà vu un télésiège, mais c'était plus un truc un peu privatif, utilisé par les employés, je sais pas. Là ça a l'air d'être un truc un peu plus touristique. Ah là là, tous ces zombies qui sont dans ta tête, Sam. Si seulement tu pouvais faire quelque chose, Sam! Je t'entends, je sais pas où tu es, mais tu m'inquiètes. T'es pas derrière quand même, non, ça va. Visiblement, toi, tu m'as vu, mais moi, je ne te vois pas, et j'aime pas trop ça. T'es là-haut? Tu m'aurais vu de là-haut? C'est ça, zombie? Et cette arnaque, quoi. Je fais quoi, là? Ah bah là, la porte! Tu m'as mis la porte dans la gueule! Regarde, j'ai plus de nez maintenant. Ah qu'il en avait déjà pas beaucoup. Allez. Je sais pas en fait. Ouais non. Attends encore un peu. Genre le zombie m'avait vu d'ici, tu sais. Il m'attendait à la porte. C'est le genre de phrase, de blague qu'on fait tous, tu sais, on se met devant les vitres, les portes, puis on est là, on regarde les gens. Et lui, il l'a vraiment fait. Ah mais non, mais c'est vraiment une... On dirait le télésiège qu'on avait déjà pris avec ça, mais c'est pas le même. Mais ça y ressemble beaucoup, disons. On va aller où? Vers les montagnes, un truc comme ça? Ah, peut-être que ça peut être intéressant. Remarquez, la ville, c'était intéressant. On a eu des niveaux cool, hein. La ville, c'était sympa. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir, par exemple, dans son modèle, dans Resident Evil 2. On voit pas suffisamment de la ville. Lui, par contre, en montre beaucoup. L'hôpital est cool. Voilà, il y a juste ce chapitre-là qui est un peu plus relou. La poursuite de Sandman continue au-delà des limites de la ville. Après avoir laissé la banlieue, ses résidents mortels derrière lui, Samuel atteint une tour de radio. De là, son périple vers le barrage Lair devrait être bien plus aisé. Il lui faudra tout de même se frayer un chemin à travers les sous-bois épais de la forêt vermillonne. Il ne reste plus qu'une dernière épreuve. En fait, je viens de comprendre du coup... Ouais, le barrage d'air. Je viens de comprendre un peu pourquoi, en fait, ça m'avait étonné d'intercepter la conversation de Raven. C'est que, oui, effectivement, les événements de Raven se passent pas au même moment. Voilà. Et c'était donc mal fait. Parce que, effectivement, à la fin du second chapitre, c'est-à-dire à la fin du chapitre où tu contrôles Sam la première fois... il va déjà au barrage. Il s'était déjà mis en quête d'aller au barrage Raven. Donc c'est à ce moment-là qu'il a intercepté la conversation de Raven. Donc ouais, on dit, si ça se trouve, je vais trouver genre Raven mort, un truc comme ça. Sam, ça a l'air de se dérouler pas mal de temps, on va pas déconner, mais ça a l'air de se passer quand même un petit moment après les événements de Raven. Alors, il faudra tout de même se frayer un chemin, il ne reste plus qu'une dernière épreuve. Bon, ok. Eh ben, ça me paraît pas mal pour nous arrêter là. Ah, regarde, avec le regard inquiet de Sam qui regarde... Ah, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Bon, des bisous.
Du coup, voilà, ça m'aura saoulé, ouais, vraiment. Faire un... Bon, je sais, il y a plein de gens, il y a plein de jeux qui font ça. Il y a même des jeux qui sont tellement malhonnêtes que la seconde moitié du jeu, c'est entièrement des décors que t'as déjà vus, mais avec de nouveaux ennemis. Donc bon, pourquoi pas après tout. Moi, ça me saoule. Je sais pas, c'est peut-être plus les bugs, des choses comme ça. Mais on se retrouve la prochaine fois donc sur Daymar, donc sur le chemin du barrage, qui va être un truc un peu plus, des sentiers un peu plus naturels, des choses comme ça. Ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, on découvrira ça la prochaine fois. Des bisous, merci de m'avoir suivi. À bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir, et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon YouTube. Le lien est en description. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.